Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est par ce beau temps qu'on fait une vidéo donc avec ma sœur Coralie. Aujourd'hui c'est encore pour le mois Japon, c'est un challenge Tsum Tsum. Parce que comme vous savez, les Tsum Tsum ça vient du Japon. C'est ces petites choses trop mignonnes qui ressemblent à des petits Disney en peluche qui à la base sont pour nettoyer l'écran de téléphone. Ouais. C'est parti, on va devoir se faire découvrir 5 Tsum Tsum chacune en se bandant les yeux avec ces petits bandeaux qui sont beaucoup trop mignons aussi. Donc on va se bander les yeux et on va devoir reconnaître le Tsum Tsum, donc c'est assez difficile je pense. Donc on verra laquelle de nous connaît le mieux les Tsum Tsum, sachant qu'on en a beaucoup. Bah plus d'une centaine en tout cas, voilà. J'aurais été de compter à 100. Bah c'est parti. Oui. Est-ce que tu me vois combien? 36. Enfin, c'est super difficile parce que je sais plus ou moins tous les Tsum que j'ai. Mais ils ont qui se ressemblent. Bah en fait, ils ont tous comme la même forme. Toi, il y a peut-être une petite chose qui fait que. T'es mignonne. Ça peut être très long. T'as droit à 10 questions. 10 questions. 10 questions, au bout de 10 questions, tu dois me donner une réponse. Est-ce que c'est un Disney ou un Pixar? Un Disney. Bon. C'est un mâle ou une femelle, on va dire? Un mâle. Est-ce que c'est un animal? Non. D'accord, donc c'est un humain. Forcément, ça peut être un objet. Ah! C'est vrai, c'est vrai. Et comme Big Ben, par exemple. Pas la lumière, ça c'est sûr, parce qu'il a des trucs là. Non, je sais, mais bon, je vois pas d'autres objets. Bah, c'est pas forcément un objet. Bah, tu me dis plus que c'est un objet. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Tu me dis que c'est un dieu donc, c'est un humain. Je dis, mais non, ça peut être un objet. C'est un humain, c'est un objet. C'est un humain? Oui. Oui, ça fait 4 questions. Donc, c'est un humain. Un humain. Je pense pas que ce soit Peter parce que. Il a un petit chapeau et on le sent quand même. Les seuls humains que je vois, comment il s'appelle en français? Christopher Robin. Est-ce que c'est un méchant? Non. Bon, donc c'est pas moi. 5 questions. Est-ce que c'est un personnage jeune? Oui. Je pense que c'est lui. C'est un prince? Bah, est-ce que, je sais pas, Christophe, il est considéré comme jeune parce que Christopher Robin, il s'appelle comment Jean-Christophe? Jean-Christophe, il est quand même très jeune, 20 ans, il a une dizaine d'années, quoi. Ça, c'est un enfant, quoi. C'est une question? Oui, oui, c'est une question. Oui. Ouais, donc c'est Christopher Robin. C'est bien. Tu vois, c'est ton nom. Voilà, voilà, trouvé en... En 6 questions. Ouais, en 6 questions, mais je le savais quand même. Ouais, depuis 2 questions. Plus dans le dur, je pense. Enfin, non, en fait, non, il est pas si dur que ça, je crois. Il a des grandes oreilles. Est-ce que c'est un animal? Oui. Un vieux Disney? Non. Bah, non. C'est un vieux, il fait partie des classiques, mais c'est un des quand même plus récents. Je crois que je sais dans quel film c'est, après, pour savoir lequel c'est de tous. D'accord. Là, on voit qu'il a des poils, déjà. C'est tout le tour, donc c'est dans une crinière de lion. C'est du roi lion. C'est du roi lion. C'est un mâle ou une femelle? Bah c'est un mâle forcément. Forcément, j'allais dire, tu es bête ou tu fais exprès. Donc c'était clairement un facile que j'ai donné. Est-ce en fait. Qu'il est mort? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort? Non. Donc c'est pas le père. Regarde, est-ce que c'est un gentil ou un méchant? C'est un animal? Oui. Oui? Oui. Ça veut dire quoi? Oui. Oui, oui, c'est un animal. Pourquoi oui? Bah. C'est chien du plus, c'est ça. C'est un animal qui n'existe pas. Ah oui, c'est un animal qui n'existe pas. D'accord. 2 questions. Il te reste donc 8. Tu as le time. Ça, on dirait des cornes. Qui c'est que j'avais des cornes? Il est gentil? Oui. Mais c'est quoi ta réponse? Bah parce que... Oui. Ça dépend. Oui.
Ah, ça dépend. Oui, ça dépend. Il est un peu dans les deux tranches de tout, lui. C'est quoi, c'est une barbichette? Non, sincèrement. C'est ta question. Non, sincèrement, tu vois, là, j'ai trop l'impression, je sais que c'est pas lui parce que je ne l'ai pas, mais que c'est Phil. Parce que c'est pas réellement un animal, mais c'est un truc qui n'existe pas. Je sens des cornes et j'ai une petite barbichette. C'est dans un Disney. Oui. Ancien. Oui. Donc c'est un vieux, donc. Oui. Oui, un classique. Un classique. Il est jeune, vieux, il a un âge, il est adulte. C'est pas des bois? Bois de cerf, genre comme Bambi. Alors non, c'est pas des bois. Donc c'est de la corne comme un bouc. Voilà. Putain, mais c'est Phil ou quoi? Je l'ai pas, lui. Je l'ai pas, Phil. Il a pas les Hercules. Je crois savoir. Mais c'est la bête, en fait. Ouais. C'est carrément la bête, en fait, je suis trop con. Ouais, t'es nulle. Mais en fait, parce que c'est le truc que tu m'as dit, en fait, il est gentil, méchant, qui m'a perturbé en fait. Bah oui, parce qu'au début, il est méchant, mais après, il est gentil. Enfin, c'est ni un animal, ni un homme. Enfin, c'est les ouais, bah donc, oui. C'est un peu chaud. Ouais, bon, en fait, il était difficile. Enfin, il est pas dur, difficile. Mais il est dur à trouver avec tes questions, en fait. On a vu le film il y a 2 jours, et ouais. Je l'ai même pas su. Qui était d'ailleurs très bien, les voir. Ah oui, oui. Là, franchement, c'est pas dur, hein, du tout. C'est un animal? Oui. C'est un lapin, mais... Oui. C'est un mâle ou une femelle? C'est une femelle. C'est un Disney récent? Assez récent, oui. Voire très récent. C'est une petite lapine qui rêve beaucoup. Elle rêve beaucoup, mais elle réalise tout ce qu'elle veut. Ah oui. Elle devient policière, non? Oui. Julie! Julie Hops! Ouais! Est-ce un animal? Oui. Marin? Non. Avec des ailes? Non. Qu'est-ce que c'est? Féminin, masculin? Féminin. Féminin. Récent, pas récent? Pas récent. Il est pas récent, donc c'est un ancien. C'est une question. C'est ça qui m'intrigue. On dirait genre des couettes. Ah non, ça doit être des oreilles en fait. Tout simplement. Ah, mais attends. Ah, on peut trouver quelque chose? Bah, c'est pas genre le truc de Nana, ça? Attends, c'est un ancien, donc tu m'as dit que c'était un personnage féminin, donc Nana est féminine. Est-ce un chien? Oui. Est-ce Nana? Oui. Ouh. Oui, bah je me suis dit, là, je fais... Ah, elle est trop belle. Oh, si, qu'est-ce que... Normalement, j'espère bien, un difficile. C'est un animal? Non. Un humain? Non. Un objet? Est-ce qu'il fait partie d'un Disney récent? Non. D'un Disney, au moins. Oui. Bah, dans La Belle et la Bête. Oui. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Tu as 9 questions, attention. C'est vrai? Ouais. Déjà? Non, je rigole. Est-ce qu'il a le nom d'un truc londonien? Il l'a. Moi, je vois son Big Ben. Mmh. Oui. C'est un facile, hein? Non, pas trop. Oh là là. T'as eu le truc, il a aucun... Rien. Comment tu veux que je devine? C'est genre le zoom le plus basique. Qui a quoi? Film récent, pas récent? Récent. Je sais pas pourquoi, mais je sens Flash. Mais j'en suis quasiment sûre que c'est Flash. J'en suis quasiment sûre, mais je préfère donner d'autres questions. Monsieur, madame? Monsieur. Parce qu'il a des grands yeux. Il est très lent. Oui. Petit monsieur Flash. Oui. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Un homme. C'est un animal ou un humain? Un humain. Ça fait partie d'un Disney ou Pixar? Disney. Un Disney récent ou... Très vieux. C'est un méchant ou gentil? Il est plus vieux. Je pense savoir... Ah! Bah si quand même, attends. Il est ultra facile en vrai. Est-ce que c'est un peu une mauviette, on va dire? Un gros loser, ouais. Voilà. Je partirai sur le Captain Crochet. Wouh. Oh putain. Donc là, c'est le dernier Tchoum Tchoum pour elle. Oui. Est-ce un personnage humain? Non. Animal? Non. Un objet robot? Oui. Est-ce que c'est un Disney?
vraiment Disney ou plutôt du genre une licence? Enfin, c'est dans Star Wars. Non. Bon. Pixar. Les seuls robots que j'ai, bah, c'est les Wall-E, quoi. Est-ce que c'est Wall-E ou est-ce que c'est Eve? Bah, je pense que c'est Eve. T'as une proposition? Bah, j'en suis quasiment... Attends, je réfléchis encore. Bon, bah, est-ce que c'est une homme ou une femme? Ah bah, ouf alors. Wall-E, il n'y a pas d'autre choix. Ouais, c'est Wall-E. Wall-E! Le dernier. J'espère qu'il est bien dur. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. C'est un humain? Ouais. C'est chelou ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait partie d'un Disney? Ouais. Un vieux Disney? Ouais. C'est une princesse? Non. Elle a une robe bleue? Elle est bleue. Elle est bleue? Pour savoir qui c'est. Est-ce qu'elle a des frères et sœurs? Elle a une sœur. Ah, ouais. Oh, c'est ça, il y a une robe bleue pour princesse. Proposition? Ouais. Alice? C'est votre dernier mot. Ouais. Bon bah on est encore ex aequo. Bah vas-y, raconte-nous ton épreuve de la question, je n'ai pas compris. La question fatidique. Je te pose une question sur les tsum-tsum et tu dois me répondre. Par exemple, je te demande, cite-moi, je sais pas, par exemple, trois tsum-tsum qui ont un chapeau. Ouais, une minute. Ah, une minute. Ouais. Allez, une minute. J'ai un stress monstre alors que pourtant c'est nul, il n'y a rien, il n'y a aucun enjeu, tu vois. Cite-moi 4 tsum-tsum qui ont les yeux bleus. Alice, elle a les yeux bleus. Enfin, pas dans notre version française, elle, dans la japonaise, elle. Non, enfin l'inverse. Bon, alors du coup, la mère de Bambi, la mère de Marie, Duchesse. Elsa, je crois qu'elle a les yeux bleus. Mais si t'arrives à en trouver un pour remplacer elle. Brillant. Bon, c'est bon, j'accepte si. Je vérifie. Sincèrement, je te jure, celle-là, je l'ai achetée au Japon en fait parce qu'elle n'existait pas encore en France. Ah, si, regarde. Cite-moi 4 noms de Tsum Tsum qui sont des animaux de la ferme. Poua, Pipoil, Maximus. Ouais. Tu en as deux différents. Bah, je voulais des différents, moi, mais bon, ouais. Parce que sinon, ça aurait été trop facile. Judy. Daisy. Oh bah c'est bon. Wouhou. J'ai perdu. C'est nul. Ouais. J'ai gagné l'épreuve de Tsum Tsum. Non. J'aurais dû en mettre 5. Parce que tu sais, j'ai même pas pris en compte. Attends, 37 secondes. J'ai même pas. Non, bah tu sais pourquoi, franchement j'aurais pu faire la même chose, mais vu que j'ai raconté ma vie pendant la moitié du truc. Moi ouais, c'est ça le truc, en fait j'aime pas parler, mais alors dès que je suis lancée. Voilà, j'ai gagné, c'est bien. Moi je suis pas d'accord. Tu t'es bien défendue, hein, c'était serré. Hein. Ah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laisse un pouce bleu si toi aussi t'aimes les Tsum Tsum. J'espère que ce mois du Japon vous plaît et que vous aimez bien regarder les petites vidéos qui concernent ce pays. On approche la date de du départ. Du voyage. On a hâte. Oh là là. Petit message. N'hésitez pas à vous abonner pour tout. Et nous on vous dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Enjoy.